voici les clés. Et voici les clés et les badges de mon nouvel appartement. Je vais mon souffle. Alors pour le coup, on n'est plus à Bordeaux, on est autour de Bordeaux, je vous dirai pas exactement où, hein, mais on est autour de Bordeaux, dans un appartement qui est génial, il a tellement de belles choses. Est-ce que ça vous dit un petit tour? J'ai trop hâte de vous montrer. Alors, suivez-moi. Nous avons ici l'entrée. Elle est plutôt spacieuse, comme vous pouvez le constater, avec des énormes placards. Ils sont gigantesques. Vraiment. Aïe. Trop fort. Donc les placards sont énormes. Il y en a trois comme ça. Les filles, les anciennes locataires, elles m'ont laissé, comme elles sont aussi petites que moi, un petit escabeau ici. Trop chouette. Et également toutes les notices et compagnie. Et les anciennes appliques, parce qu'on leur a racheté absolument tout ce qui est lustre et compagnie. Alors, doucement cette fois-ci. Et voilà ce que ça donne. J'ai déjà apporté quelques affaires, donc ouais. Hein, on commence le déménagement petit à petit. Ensuite, nous tournâmes vers ce coin. Donc, la porte d'entrée est juste à côté de la cuisine. D'ailleurs, ici, on a compteur, truc et compagnie pour la fibre. Ici, j'ai un thermostat et j'ai ma chaudière qui est comme ça parce qu'un technicien devrait passer. Les filles ont oublié de le faire. Donc, ça sera à nous de le faire, mais à leurs frais. Et nous passons à l'endroit préféré de cet appartement. Enfin, mon deuxième endroit préféré, la cuisine. La cuisine, on a racheté le lave-vaisselle, le four et le frigo aux anciens locataires, qui est génial. Regardez. Mon père a la même chose et du coup j'adore, je suis refaite. C'est génial. Et elle fait eau et glaçon. C'est trop cool. Les lustres qu'on a racheté également, là-bas. Petit bar, le bar n'est pas d'origine, c'est un ajout qu'elles ont fait, qu'on a racheté du coup parce que nous on aimait beaucoup cet espace. Oui, j'ai un sac Pokéball parce qu'on a fait Pokémon Go aujourd'hui. Voilà, on voit un petit peu la différence de teinte de bois, mais en vrai ça le fait. Donc on a racheté le bar où je vais faire plein de gâteaux et de conneries. Et les chaises, elles nous l'ont offerte du coup. Ces chaises valaient 600 balles et elles nous ont offertes. Voilà, voilà. On a plein de placards. Oups, mauvais sens. Plein de placards. Elles nous ont laissé du pop-up de sopalin, des choses. La bonbonne de filtre pour le Samsung. Voilà. C'est juste ma cafetière qui va pas me passer ici, malheureusement. Il va falloir que je trouve une solution ou alors il va falloir que je la mette là-bas. Ça, ça m'emmerderait un petit peu, je vous avoue. Donc on va voir pour la cafetière, mais la cuisine. Ensuite, faisons demi-tour et vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Waouh, la baby télé. Alors, du coup, waouh. Oui, on a racheté leur méga télé. Je vais essayer de vous poser quelque part parce que j'ai oublié. Parce que j'ai oublié de prendre mon trépied, on est parti dans la précipitation et j'ai failli oublier ma caméra aussi pour filmer le petit appartement de tour. Mais, à titre de comparaison, I am small. Dans cet encadrement-là, il y avait une fausse cheminée, mais qui ne faisait pas de chaleur, du coup ça ne m'intéressait pas de la garder. Donc elle l'a reprise évidemment, mais on va repeindre les coins, dépoussiérer un peu, enlever ces tubes là, je pense. Peut-être mettre des portes, peut-être tout repeindre pour faire beau et mettre nos consoles de jeu parce que j'aime bien les consoles rétro, PS2, PS1, tout ça. Donc on va voir. La PS5, elle sera. Attendez. Ta-da-da-da.
La PS5 dans ce coin-là, je pense. Ça rentrera trop bien avec la lumière comme ça. À voir, à voir. La clim aussi, elle n'est pas d'origine, on l'a rachetée. Et le lustre, je sais pas si vous voulez. Donc ça fait pas mal d'argent dépensé pour ce déménagement déjà, mais au moins on est full équipé et j'ai mon four, j'ai le four que je voulais. Je vous amène dans la première chambre. La la la. Donc l'entrée, première chambre. Juste à côté du salon, hein, on voit. Waouh. Elle est grande. Elle est assez spacieuse. Encore une fois, on a des placards qui sont immenses. Et la chambre, elle est géniale. Ici, je vais faire mon bureau. Ça sera mon côté studio, streamers. Parce que je fais des streams de temps en temps. Enfin, je faisais des streams. C'était très compliqué pendant au moins 4 ans. Plus, je sais pas. J'ai commencé les streams en 2019. C'est le lustre que j'aime pas qui va virer, je pense. Et alors, bureau. Slash chambre d'amis, parce qu'on va mettre un canapé lit. J'en ai repéré un qui est trop mignon, qui est tout blanc. Mais voilà la première chambre qui sera mon coin de stream. Elle, suivez-moi et je vous guide. Ici, la deuxième chambre. Elle est belle, elle est très belle. Elle est plus petite du coup que la première. Et ça, ce serait vraiment notre chambre. On va mettre notre lit dans un coin, en plein milieu de préférence. Hein. Et deux prises pour les tables de chevet. Encore une fois, une armoire. Et ça, c'est génial d'avoir des rangements absolument partout. C'est génial. C'est génial. Oui. On a les toilettes séparées. Alors, attendez. Les toilettes séparées avec beaucoup d'espace là, du coup on pourrait peut-être mettre une commode, une petite commode du coup pour ranger les choses. Le bidet, dont on ne veut pas, mais soit on l'enlève parce que c'était pas d'origine, donc on va peut-être l'enlever ou le faire enlever. Et voilà, elles nous ont laissé du PQ de bienvenue. Ouh. Et enfin la salle de bain. Waouh. Wow. Alors, d'abord un petit coucou dans mon nouvel appartement. J'ai pas le coup de coucou depuis tout à l'heure. Bref, on a une sortie d'eau par là pour le lave-linge. Le double vasque qui est génial. C'est mouillé parce qu'on vient de faire l'état des lieux d'entrée. Ça, qu'il va falloir changer parce que ça fuit ici. De toute façon, on a une pomme de douche avec des perles dedans, vous savez. Genre, elle est géniale. On l'aime beaucoup. Autant vous dire que je suis refaite. Est-ce que vous êtes prêts à voir mon endroit préféré de cet appartement? Vous l'avez peut-être deviné parce que je vous ai montré bah, toutes les chambres et cette pièce, le salon. Mais attendez, que j'aille. Il est immense, vraiment. Du coup, ça c'est pas d'origine non plus, vu que c'est le truc de la clim. Mais je vais vous poser dans un coin. Est-ce qu'on voit? Moi je vois plus rien par contre à cause de la lumière. Mais voici donc ma terrasse, qui n'est pas une terrasse parce qu'il y a un toit, du coup c'est un balcon. Mais c'est là que je vais prendre mes petits déjeuners, que c'est là que je vais prendre mon café. Et maintenant que j'ai cette phrase, j'ai envie de pleurer. Parce qu'avoir un extérieur aussi grand, ça a toujours été mon rêve. C'est vraiment... C'est trop beau. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà les amis. J'ai enfin un chez moi. Et vraiment un chez moi qui me plaît et un chez moi qui est grand. Je vais vous reposer là où je vous ai posé. En début de vidéo. J'ai envie de pleurer. J'ai dit à mon copain que j'allais pleurer quand, j'allais voir l'appartement, quand j'allais voir les clés. Et ce fut très long. Ce fut très long, émotionnellement parlant, ce fut très long. Cet appartement, on l'a cherché pendant
au moins un an et demi. Au moins un an et demi, on a cherché plein d'appartements, on a cherché des maisons, on a même cherché à acheter une maison. Et c'était très très compliqué. Et enfin, quand on est arrivé pour cet appartement, la fille, elle avait 3 visites. Et après ça, elle a supprimé l'annonce de seloger.com. Et le jour des visites, ben, les deux autres ne se sont pas pointés. Ils lui ont posé littéralement un lapin. Du coup, on était les seuls sur le dossier, c'était sûr qu'on devait l'avoir. Mais tu sais, genre, c'était tellement compliqué de trouver un appartement, on a tellement eu de refus. Du coup, je me suis dit, je sais pas, si jamais leur notre profit lui correspond pas, on peut toujours relancer des visites et prendre quelqu'un d'autre que nous, tu vois. Mais non. J'ai pas envie de pleurer encore. Bon, pour ceux qui veulent savoir les détails de cet appartement, du coup, le loyer en lui-même, vu qu'on n'est pas sur Bordeaux, on en a pour 811 euros par mois avec les charges, c'est ça. L'appartement en lui-même, il fait, sur l'annonce, il est marqué 69 carrés et sur le bail, je crois que j'ai vu quelque chose de style 66 ou 67 mètres carrés. Et le balcon en lui-même, sa superficie entière fait 20 mètres carrés. Du coup, c'est vraiment genre... Et pourquoi balcon? En fait, on cherchait vraiment soit balcon, soit jardin. Mais je vous avoue que je préfère avoir un grand balcon comme ça de 20 mètres carrés. Parce qu'un jardin, vous savez, j'ai un chat, j'ai un chien. Le chien, il serait triste parce que... Enfin, pas triste, il sera content parce qu'il adore les balcons. Mais il n'aura pas de terre, il n'aura pas de la pelouse, il n'aura pas de quoi s'allonger dessus. Enfin, il sera content avec ça quand même. Mais le chat, en tout cas, au moins, je ne pourrais pas me dire « mince, elle s'est enfuie, mince, elle est passée à travers la haie, elle est partie ». C'est ça que je craignais le plus. Du coup, c'est cool, c'est très cool. C'est très 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 cool. Je pense que Magni sera heureux, mon chien, dans cet appartement. Il sera ravi. Mais voilà, bienvenue chez WAM. Donc c'était le petit room tour, appartement de tour à vide. Et je vous referai une même vidéo plus tard quand j'aurai tout meublé. Je suis trop contente. Bon, mais plus qu'à déménager. Plus qu'à déménager. À la prochaine.